prononce rarement le maximum de la peine encourue et la peine qui est appliquée à la fin est rarement celle qui a été prononcée. Et donc ça pose la question, un, de l'application des peines, des courtes peines. On sait que dans notre pays, les courtes peines, notamment les courtes peines de prison, ne sont pas appliquées, contrairement à d'autres pays. On a des pays, notamment dans le nord de l'Europe, où vous pouvez passer 6 mois, 9 mois en prison. Ça n'existe pas en France. On sait que dans notre pays, les courtes peines, notamment les courtes peines de prison, ne sont pas appliquées, contrairement à d'autres pays. On a des pays, notamment dans le nord de l'Europe, où vous pouvez passer 6 mois, 9 mois en prison. Ça n'existe pas en France. Vous pouvez voir derrière moi, je suis au centre pénitentiaire d'Avignon-le-Comté, où Abdel Zahiri, que vous suivez un peu depuis plusieurs mois, il vient de sortir. Voilà, donc il est sorti, il était à peu près 8h du matin. Le temps, la mesure du temps en fait. On avait perdu un peu tout ça, tout va tellement vite et tout. Et 3 mois, ça y fait quand même. Tu m'étonnes. Ça fait plaisir de te revoir dehors. Écoute, ça fait plaisir d'être dehors, à la lutte. Et ouais, c'est ça. C'est un des trucs qui m'a le plus fait rager, c'est ça.